Ahmed, il y a de quoi être frustré ce soir. Ouais, beaucoup de frustration parce que je pense qu'on perd 2 points. Voilà. Enfin, j'ai toujours envie d'analyser le résultat et le contenu. Bah, le résultat aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur du contenu qu'on a fourni. Je pense qu'on maîtrise ce match. On a été très bon défensivement. Enfin, c'est une bonne équipe de Laval. On savait que les coups de pied arrêtés, c'était leur force. On a réussi à très bien les gérer en concédant très peu. Et les très peu qu'on a concédés, on a été bon. Voilà, on savait que c'était une équipe qui centrait beaucoup. On a vraiment voilà, des joueurs qui ont été courageux, qui sont sortis cadrer les centreurs pour éviter justement de subir cette force-là. Et ils l'ont très peu fait. Aujourd'hui, cette égalisation, en fait, elle arrive sur une succession de petits détails. Mais on a laissé des miettes à cette équipe et ils se sont nourris de ces miettes-là. Et nous, dans la situation dans laquelle on est, on ne peut pas laisser de miettes. Voilà, c'est la leçon à tirer de ce match. Même si on sent une progression de l'équipe, le visage montré par l'équipe était intéressant. Ça. Très intéressant. Franchement, aujourd'hui, je pense que tout le monde, tout le monde s'accorde à dire que l'équipe a fait un bon match. On a maîtrisé, on s'est procuré des occasions. Je pense que le gardien adverse fait 2 très belles parades en première mi-temps. On a 2 ballons en deuxième mi-temps qui passent devant le gardien. Là, on doit avoir dans la surface de réparation, on doit avoir plus de détermination pour aller marquer parce qu'on ne peut pas créer des occasions si nettes et être en réaction. Il faut qu'on soit en action. Et je pense qu'on l'a été, mais pas assez pour aller tuer ce match ou au moins pour maintenir ce résultat. Les ingrédients pour le derby, crucial déjà pour le maintien samedi à la Ouais, ça va être crucial. Et il faut bien préparer ce match contre Dunkerque, encore une fois, en mettant les ingrédients et en allant chercher un contenu aussi intéressant, voire mieux que ce qu'on a fait ce soir encore. Merci beaucoup.